m'appelle Lucie Piazza, j'ai 17 ans, je fais de la RSX, je suis du club nautique d'Angoulins-sur-Mer et je suis au Pôle France de La Rochelle. Alors j'ai commencé à faire de la planche à voile au CN Angoulins avec mes parents. Alors je suis particulièrement attachée à mon club parce que je trouve ça intéressant d'être investie dans un club. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a plein de petits jeunes qui commencent à naviguer. Donc moi j'aime bien les pousser vers le haut, aller naviguer avec eux. Et quand je suis sur les régates, bah, j'essaye de renvoyer une bonne image à mon club, de montrer que je viens du CNA et que voilà, je défends un peu les valeurs du club. Alors pour la sélection au championnat du monde jeune ISAF, on avait deux possibilités, il fallait soit se sélectionner directement au championnat d'Europe, soit s'il n'y avait pas de podium à championnat du monde, c'était sur le championnat de France. Donc j'ai terminé 7e, donc du coup ça n'a pas permis d'être sélectionnée. Et tout s'est joué sur le championnat de France. Ça a été dur jusqu'au dernier moment parce que j'étais à égalité avec une fille le dernier jour. Mais j'ai rien lâché et j'avouais tellement ma place que j'ai tout fait pour. Et finalement bah, je gagne la dernière journée et ça m'a permis d'être sélectionnée. Alors d'être la représentante de la France en RSX, c'est vrai que c'est un peu stressant, mais après on a envie de donner le meilleur de nous-mêmes parce que je sais très bien qu'il y a plein de jeunes qui aimeraient être à ma place et je vais tout faire pour les représenter au mieux et ça me tient à cœur. Les Jeux Olympiques de la jeunesse qui ont eu lieu à Nanjing, c'est vrai que c'était ma première expérience internationale. J'en ai gardé un super souvenir. Je n'ai pas trop de mots pour l'exprimer, mais c'est ça qui m'a lancée. Ça a été un peu un tremplin et maintenant j'ai envie de continuer et donner le meilleur de moi pour aller au plus haut possible. Je pense que cette expérience peut m'apporter parce que c'est un peu la même configuration, on est un par pays. Le format de course est un peu le même, on a du matériel qui est fourni. Je pense que c'est à peu près similaire et j'espère que ça va me servir pour le championnat du monde en Nouvelle-Zélande. Je vais essayer de donner le meilleur de moi-même. Si je peux aller chercher la gagne, je vais aller la chercher, mais je vais tout faire pour être au meilleur de mon niveau et j'espère que ça va payer. La Nouvelle-Zélande, c'est vrai que ça va être un voyage assez long. Bah, j'ai un peu d'appréhension, mais je pense qu'avec toute l'équipe de France, on va être soudés et j'espère que ça va bien se passer. Donc voilà, je vais voir comment ça va se passer.